L'épidémie à nouveau coronavirus, qui a pris naissance en Chine en décembre 2019, a été déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020. Aujourd'hui, l'épicentre de cette pandémie se trouve désormais en Europe. Au niveau mondial, le bilan fait état à ce jour de plus de 168 254 infections dénombrées dans 142 pays et territoires et au moins 6501 morts depuis l'apparition de la pandémie en décembre 2019. En Afrique, le nombre de pays qui rapporte de nouveaux cas augmente chaque jour. Le Congo a confirmé son premier cas de COVID-19 le samedi 14 mars 2020. Conscient des risques liés à cette pandémie et particulièrement des dangers auxquels nos populations sont exposées, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, instruit le gouvernement de renforcer les mesures préventives. En exécution de ces instructions, le gouvernement a pris un ensemble de mesures et recommandations qui vont dans le sens d'élever le niveau de protection de nos populations. Il s'agit de 1. La création d'un fonds sur le coronavirus COVID-19, immédiatement abondé de 1,5 milliard de francs CFA. 2. L'intensification des contrôles au point d'entrée par la mobilisation des équipes supplémentaires de santé et de sécurité, notamment au niveau des frontières terrestres. 3. La présentation d'un résultat négatif de test COVID-19 effectué par une institution agréée, accompagnant désormais toute demande de visa d'entrée sur le territoire de la République du Congo. 4. L'ajournement des voyages non essentiels dans les pays où sévit la maladie. 5. Le report jusqu'à nouvel ordre de toutes les missions officielles à l'étranger. 6. Le renforcement des mesures d'hygiène dans les institutions publiques et les entreprises privées. 7. Le report à une date ultérieure des événements internationaux prévus au Congo, notamment les congrès, les conférences et croisades. 8. La fermeture jusqu'à nouvel ordre des salles de jeux, de spectacles et de cinéma, ainsi que des restaurants en plein air. 9. La suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les compétitions sportives de masse sur le territoire national. 10. La suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les vols en provenance des pays à haut risque pour compter du jeudi 19 mars 2020. Le gouvernement.